tous et bienvenue sur Caro Tuto. Alors dans cette vidéo, vous allez découvrir la réalisation d'une terrasse en extérieur, mais avec une pose assez originale. C'est une pose en opus. Il va y avoir plusieurs formats mélangés au niveau du sol pour donner un certain cachet et un certain visuel à cette terrasse. Et comme vous avez pu le remarquer, je reviens de chez mon fournisseur et j'ai décidé par la même occasion de vous présenter, de tester le nouveau système autonivelant de la marque Ruby. J'ai 2-3 zones assez compliquées à régler au niveau de mes carreaux. Et ben autant les essayer sur cette pose. J'ai envie de vous dire, et ben quand faut y aller, faut y aller. Alors, le système se compose d'une pince que vous allez voir ici. Et cette pince, vous allez avoir plusieurs crans qui vont vous permettre de gérer la hauteur. Et comme vous le voyez peut-être là sur la vidéo, ici en bas, ils sont fragilisés. Et ça, c'est pour faciliter, on va dire, la dépose. Lorsque vous allez taper dedans, ils vont se casser. Et puis, les coins qui sont là-dedans, qui vont tout bêtement se mettre comme ceci. Et après, c'est avec votre pince que vous allez gérer la hauteur. Alors en premier, vous mettrez votre coin. En deuxième, avec votre pince qui exerce une pression, elle va vous pousser votre coin dans ce sens-là, exercer une pression pour les comprimer au sol. Et ça va donc vous régler votre carreau, ce qui vous explique en troisième position. Je pars avec deux formats, des 30-60 et des 20-20. Mon motif sera composé de deux 30-60 suivis de trois 20-20. Il me faut donc 5 carreaux pour réaliser un motif que je décalerai de 20 cm par ligne. Je vais faire en sorte d'avoir la même distance, c'est ce motif-là, ici, de 3 mm, que je vais reporter tout le long de ma ligne et puis ensuite je vais reculer à la raquette. Ok. Bon, on est bon. Je vais préparer mes baguettes. J'utilise de la colle Flex spéciale à rénovation. J'utilise aussi un demi-lune de 2 cm. Alors, nous sommes sur une pose un petit peu spécifique sur cette terrasse, puisqu'il y a deux formats. Le système va me servir à régler mes carreaux et je vais glisser ensuite mes croisillons. Donc, première chose, il faut toujours que vous soyez très propre au niveau de votre règle. Bah là, j'ai déjà mis le coup de spatule, mais je vais le refaire quand même. Voilà, il ne faut pas hésiter avec la spatule ou un petit bout de carton à enlever l'excédent de colle. Je vais donc poser mon grand carreau avec mes 30-60. Mettre deux petits coups de spatule pour enlever l'excédent de colle. Parce qu'avec ce genre de système, ça a tendance à faire remonter la colle dans les joints. Je vais le mettre ici et je vais le mettre. Maintenant, je vais poser le 30-60 contre. Ce système va me servir à relâcher mon deuxième carreau contre la lamelle. Et ensuite, je vais me servir du coin pour régler les deux ensemble. Alors, vous avez juste à le positionner. Le double collage est obligatoire pour la pose en carrelage en extérieur.
captez bien le sens de dépose des bases. Les cales sont réutilisables. Alors maintenant, on va enlever tous les croisillons et on utilise la tenaille. Après avoir enlevé tous mes croisillons et gratté les différents joints, je vais passer un dernier coup d'aspirateur général avant de passer mes joints. J'utilise un joint gris moyen spécial extérieur pour support déformable. Fonctionner par petites zones. Ramassez un maximum de joints pour vous faciliter par la suite le nettoyage. Pour lisser vos joints, faites un mouvement circulaire avec votre éponge. Il ne vous reste plus qu'à passer un dernier coup d'éponge lentement en diagonale dans vos joints. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et aura pu vous donner des nouvelles idées pour rénover vos extérieurs. La pose en opus est assez compliquée, toutefois elle donne un vrai cachet et un vrai aspect contemporain à vos extérieurs. Au niveau des croisillons rubis, et bien écoutez, ils m'auront servi à régler des zones parfois très compliquées sur ce chantier. Toutefois, il me reste encore quelques-uns dans mon camion et je compte bien les mettre à rude épreuve lors de mon prochain chantier où je vais devoir poser des 45-90 avec aussi une pose multiformat. Écoutez, je vais repartir en quête de nouveaux outils et de nouveaux systèmes qui peuvent peut-être vous faciliter la vie et vous permettre de réaliser vos chantiers par vous-même. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et salut à tous. À la vôtre. C'est pas mal.